Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, ça va être une vidéo FAQ sur l'Extra de Moulinex. Je prends enfin le temps de répondre à toutes les questions que vous posez sous les vidéos. Sachant que l'année dernière, je vous ai fait une vidéo où je vous donne mon avis sur cet outil qui est venu compléter le Cookéo. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Je vous la mets dans la barre d'informations et là, c'est parti pour les questions et les réponses. Alors, dans le manuel d'utilisation, il est indiqué qu'on peut cuire jusqu'à 700 g de frites surgelées et 700 g de frites fraîches. En ce qui concerne les frites fraîches, personnellement, je ne dépasse pas les 300-400 g environ parce que sinon, je trouve que la cuisson n'est pas du tout homogène. à savoir que le programme frites dure 33 minutes. On peut le programmer, on peut le diminuer ou ajouter plus. Mais par défaut, c'est 33 minutes. À mi-cuisson, on a un signal sonore pour nous indiquer qu'il faut remuer mais personnellement je remue bien avant euh, en général je remue tous les 4 à 5 minutes et c'est comme ça que j'obtiens une euh, cuisson assez euh, homogène sinon on se retrouve avec des frites qui sont euh, bah, cuites de manière pas du tout homogène et puis euh, en fonction de la découpe des fois j'ai euh, les bouts qui commencent presque à cramer et au milieu ce n'est pas assez cuit la durée de cuisson des frites fraîches va dépendre de la taille de vos frites. Personnellement, j'essaie toujours d'acheter des, euh, des pommes de terre euh, assez moyennes, comme ça j'ai, on va dire, une taille de frites euh, moyenne. Et aussi, si vous les faites tremper ou pas, euh, moi j'aime beaucoup faire tremper mes frites à peu près euh, 20 à 30 minutes avec euh, du gros sel. Euh, ça rend les frites assez... Euh, et euh, ça leur donne un, un très bon goût. Et euh, pendant la cuisson, on obtient des frites euh, beaucoup plus croustillantes. Et donc, euh, une fois que vous avez fait tremper vos frites, il faut les égoutter et bien les sécher, c'est très très important. Euh, je ne suis pas en train de les écraser là sur la vidéo, on dirait que je les écrase, mais euh, j'y allais quand même mollo. <laughs> Le but c'est vraiment de bien les sécher et ensuite je les enrobe avec un tout petit peu, enfin, euh, un petit filet euh, d'huile d'olive. Et après, je passe euh, à la cuisson. Et donc, euh, pour cela, euh, au bout de de 20 à 25 minutes, je trouve que j'ai des frites bien cuites, elles sont assez croustillantes juste comme je les aime. Vous pouvez bien sûr augmenter enfin les laisser cuire beaucoup plus longtemps comme je vous ai dit au début, le programme par défaut dure 33 minutes, mais vous pouvez le diminuer ou l'augmenter. Alors non, on ne peut pas brancher les deux appareils en même temps. Il faut obligatoirement débrancher le Cookéo avant de brancher l'Extra Crisp et lancer la cuisson. Je pense pour une question de sécurité, comme il y a de la vapeur, de la condensation qui peut se créer, la résistance n'est pas euh, protégée, donc euh, je pense que ça peut créer un court-circuit. Je pense. Euh, alors, je n'ai pas voulu tenter l'expérience, essayer de brancher les deux pour savoir si Moulinex a mis un système de sécurité pour que ça ne, déclen se, ne, dé ah, ça ne se déclenche pas si on branche les deux. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous dire essayez, vous verrez bien. Non, n'essayez pas, on ne sait jamais. Donc, non, on ne peut pas brancher euh, les deux. On ne peut pas connecter l'extra crisp au Wi-Fi et de toute façon il n'a pas un écran sur lequel on peut aller par exemple sur euh, le, les paramètres, voir s'il y a des recettes intégrées, etc. Comme euh, l'écran d'affichage du cookie au Touch. Donc c'est vraiment un appareil euh, indépendant avec quatre euh, programmes euh, intégrés. On peut choisir entre les quatre programmes euh, le temps, la, la température et c'est tout. On ne peut pas faire autre chose d'autre. Avant de continuer les questions-réponses, je rebondis juste sur euh, quelque chose que j'avais dit dans ma vidéo de test l'année dernière en ce qui concerne le positionnement du fil. Donc euh, je ne le trouvais pas très sécur parce qu'il euh, est au niveau de l'aération et euh, mon fil surchauffe. Et donc dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit mais il suffit juste de décaler le fil par rapport au couvercle. Sauf qu'on ne peut pas décaler le fil par rapport au couvercle. Là, vous voyez, il est intégré. On ne peut pas le, le retirer, il est dans son emplacement et donc euh, ça chauffe. Ça chauffe, voilà. <laughs> donc euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre le fil par-dessus euh, le, euh, par le couvercle du Cookeo ou alors par-dessus le couvercle de l'Extracrisme, mais je ne trouve pas ça euh, optimal. Et au niveau sécurité, je ne trouve pas ça top. Donc le fil, il chauffe quand même un petit peu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème de sécurité. J'espère que ça va continuer. Mais j'avoue que sur ce point-là, euh, c'est pas top. Euh, c'est pas top. Alors, pour la cuisson, donc j'avais lancé le programme frites qui dure 33 minutes par défaut. Et là, il restait 8 minutes de cuisson et j'ai pu les retirer. Je trouvais qu'elles étaient assez cuites et assez croustillantes. Je vous laisse entendre. Voilà, donc elles sont croustillantes juste comme j'aime. Pour les personnes qui se posent la question, et bien sûr, on n'obtiendra jamais euh, la même euh, qualité de croustillant qu'une friteuse euh, classique à l'huile, mais euh, je trouve que c'est euh, très correct et mes frites étaient assez euh, délicieuses. Et donc, avec la deuxième moitié de mes frites, je vais faire une cuisson. Au four pour répondre à une question, donc euh, l'extra crisp euh, en fait il remplace effectivement un, un four ou une friteuse à air chaud. À savoir que si vous avez déjà un four ou une friteuse à air chaud, l'achat de l'extra crisp n'est vraiment pas indispensable, c'est pas un truc révolutionnaire. On peut tout à fait faire exactement la même chose avec euh, le four qu'on a déjà ou avec euh, la friteuse à air chaud qu'on a déjà. Alors, on peut trouver les recettes sur le site internet de Moulinex, sinon sur le CookEO. Ce que je fais, c'est que je vais sur la petite loupe et je tape tout simplement extra crisp. Et là, le CookEO me propose euh, toutes les recettes euh, disponibles. Je préfère choisir uniquement celles proposées par euh, Moulinex. Et donc, euh, à ce jour, a priori, il y en a 60. Et après, il suffit de choisir celle qui vous fait envie. Et quand vous appuyez dessus, vous allez voir, euh, donc, comme d'habitude, le nombre de personnes, le temps, les ingrédients etc et au bout d'un moment on va vous dire cette recette nécessite l'extra crisp et donc généralement on va vous allez commencer la préparation vous allez faire des cuissons dans la cuve du cookie de manière assez classique et après on va vous dire de d'éteindre le cookie et de brancher l'extra crisp et continuer tout simplement la cuisson avec l'extra crisp J'avoue que je n'utilise pas beaucoup l'extra crisp. Euh, franchement, je dois l'utiliser une fois tous les 2-3 mois. Donc, je n'ai pas eu de problème avec euh, le nettoyage. Je n'ai pas eu de recette qui giglait de partout. Comme ça m'arrive souvent avec euh, le Cookeo Et euh, c'est la galère de bien nettoyer le couvercle et tout ça. Donc, là, vous voyez, le mien, il est euh, assez propre, je dirais. Quelques toutes petites éclats de boussure mais euh, c'est rien du tout. Donc, pour le nettoyage, c'est tout simple quand tout va bien. Euh, ce que je fais, c'est que je modifie euh, une petite éponge ou une lingette et j'essore vraiment bien. Il ne faut pas que ça soit mouillé et je viens tout simplement essuyer. Il est conseillé d'essuyer, en fait, après la cuisson, vous attendez que ça tiédisse et vous essuyez après. Euh, ça permet de décoller les graisses assez facilement. Il ne faut pas se brûler non plus, donc il faut bien attendre que ça, que ça tiédisse. Euh, alors, si votre éponge est bien essorée, vous pouvez euh, nettoyer comme ça. Sinon, euh, si euh, vous avez besoin que votre éponge soit un petit peu humide, euh, il faut nettoyer euh, le, le couvercle en le mettant, enfin, euh, euh, en le décalant vers le bas, parce qu'il ne faut pas que de l'eau coule sur la résistance ou à l'intérieur du, du couvercle, tout simplement. Si c'est vraiment la catastrophe et que vous avez besoin de bien nettoyer euh, au niveau de la résistance, comme j'ai pu le voir dans certains commentaires avec des photos, je me dis mais c'est pas possible. <laughs> ça me donne pas envie de tenter le poulet rôti euh, bien comme il faut avec la sauce et tout. Donc en fait on peut dévisser la grille. Alors la résistance n'est pas démontable, mais on peut dévisser la grille. Donc il suffit de se munir d'un tournevis tournevis d'un tournevis euh, et euh, vous dévissez tout simplement et vous allez pouvoir euh, retirer euh, la grille et c'est une grille classique qu'on peut nettoyer euh, avec de l'eau chaude avec du savon et si elle est vraiment très enfin euh, par exemple la graisse elle est vraiment euh, très euh... ah là là incrustée, je ne trouve plus mes mots. Euh, donc vous la mettez à tremper dans de l'eau avec du savon et après vous frottez euh, délicatement avec euh, le côté doux euh, d'une éponge. Et euh, vu que j'ai retiré la grille, je vais profiter pour nettoyer quelques petites éclaboussures qu'on ne peut pas atteindre euh, si on n'enlève pas la grille d'ailleurs. Et là je vois la, le petit ventilateur, je ne l'avais pas du tout remarqué euh, au début. Il est tout mignon, il tourne. <laughs> Donc, je profite pour nettoyer euh, l'intérieur, euh, toujours avec ma petite lingette euh, un petit peu humide. Et ensuite, bien sûr, il faut toujours euh, bien sécher avec euh, un linge sec. Bien sûr, il faut bien sécher la grille avant de la revisser sur l'extra crisp. Et je me retrouve avec cette petite pièce. Je, je, je ne sais pas où. Je ne l'ai pas vue quand je l'ai. <laughs> quand j'ai démonté la grille donc j'ai dû revisionner la, la vidéo d'avant pour voir en fait elle était où cette petite pièce et donc elle était là donc on la positionne et après il suffit juste de mettre les vis tout simplement vous faites correspondre les trous de la grille avec les trous dans l'extra crisp je vous conseille de ne pas serrer tout de suite complètement chaque vis vous mettez la première vous serrez un petit peu vous mettez les trois et quand c'est tout est bien positionné, là vous serrez bien pour euh, comme euh, avant, alors c'est un peu délicat à faire, c'est pas compliqué mais c'est chaud à faire pour mettre les vis à chaque fois, ça tombe, ça se mettait pas en place, enfin bref c'était un petit peu galère mais on le fait euh, très bien et au moins vous aurez votre euh, extra crisp qui sera bien propre si jamais il était euh, bien bien atteint avec euh, beaucoup de graisse et beaucoup d'éclaboussures Pour finir le nettoyage, ce que je fais, c'est que je j'humidifie un linge d'eau, sinon vous pouvez euh, utiliser un microfibre, avec un petit peu d'eau, j'essuie un peu partout et après je sèche avec euh, le côté qui est euh, sec et ça le fait euh, briller. Euh, par contre quand des fois il y a des traces de gras qui ne veulent pas partir, je mets un, un petit pchit de, de vinaigre blanc, j'essuie bien et généralement ça fait bien briller la surface. Euh, juste éviter d'utiliser des, des linges qui peuvent être euh, rêches parce que ça la surface elle serait très très facilement. J'ai vu dans un forum qu'on peut utiliser l'Extra Crisp sur d'autres autocuiseurs que le Cookeo, à condition que ça soit de la même taille. Euh, donc là en fait vous voyez il y a les deux petites encoches là sur le côté, je pense que c'est ça qui détecte euh, la surface pour que la cuisson se lance. Personnellement je n'ai pas d'autocuiseur de, de la même taille, la seule chose que j'ai euh, qui est exactement de la taille de l'Extra Crisp, c'est euh, mon couscoussier. Et donc euh, là je l'ai bien positionné, les encoches elles sont bien détectées. Détecter, mais par contre quand je lance le programme ça ça ne démarre pas la cuisson ne démarre pas donc au début je l'ai mis à vide après je me suis dit tiens je vais mettre un petit peu d'eau peut-être qu'il détecte rien dans la cuve mais euh, ça ne fonctionne pas donc je ne sais pas si c'est à cause de parce que c'est pas un autocuiseur ou est-ce que c'est la matière de du couscoussier qui n'est peut-être pas adaptée j'en sais rien dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à mettre euh, l'extract crisp sur euh, un vrai euh, autocuiseur entre guillemets euh, mais pas le cuqueo et voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir si j'ai la réponse bien sûr je vous laisse avec ces quelques images d'une future vidéo et je vous dis à très vite